Shalom, bien-aimés, enfants de Dieu, très chers frères et sœurs. Nous vous bénissons et nous bénissons l'Éternel pour ces temps qui nous accordent de venir encore devant vos petits écrans. Toujours dans le seul objectif de partager la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui donne la vie, c'est cette parole qui nous fortifie. Et nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur Dieu qui nous a permis d'être là en ce jour, et que le Saint-Esprit puisse nous fortifier, vous et moi, nous édifier par sa parole. Jésus dit que sa parole est réellement une nourriture, et que cette parole soit une nourriture pour nous, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le message de ce jour, nous l'intitulons « Grandir à tous égards ». Et le verset que nous allons traiter cet après-midi est dans le livre de Hébreux, au chapitre 11, nous allons lire le verset 24 et 25, et c'est ce fameux chapitre de la Bible où on nous parle des héros de la foi. Et dans la Bible, on nous parle d'un héros de la foi qui n'est personne d'autre que Moïse. J'ai lu au nom de Jésus, la parole dit ceci: c'est par la foi que, devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Bien-aimés, c'est de cette parole de la Bible. En fait, cette histoire se réfère aussi dans le livre d'Exode, au chapitre 2, à partir du verset 11, on peut voir l'histoire dont Hébreux est en train de faire référence. Là-bas, il est écrit, « En ce jour-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu auprès de ses frères et vit leur corvée, et il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Il se tourna d'un côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il abattit l'Égyptien et le cacha dans les sables. » La Bible nous fait comprendre que, en fait, nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse était un garçon qui a été élevé dans la maison de Pharaon, par la fille de Pharaon. Il a reçu l'éducation égyptienne, il a eu ce privilège de grandir dans cette grande... ce palace, en fait, où était habité le roi d'Égypte, le pharaon. Et la Bible nous dit, en fait, la Bible ne nous parle pas réellement de comment il croissait, de ses jeunes âges, mais la Bible nous fait allusion, il nous montre cette histoire, que Moïse, une fois grandi, se renda vers les Égyptiens, ses frères. Bien, vous allez voir que Moïse, quand il était encore tout jeune, il se plaisait dans cette situation. Il était considéré comme un prince. Il vivait la vie de prince. Mais la Bible dit, quand il grandit, il refusa. Devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quand il est devenu grand. Et ce soir, ou cet après-midi, je vais insister sur quelque chose. Quand un homme devient grand, je ne parle pas de la grandeur en termes de renommée, mais je parle de la grandeur en termes de croissance où une personne devient mature. Quand Moïse, en fait, la Bible nous fait comprendre qu'il avait quitté une étape à une étape. Il a quitté l'étape d'un jeune enfant qui n'avait pas encore peut-être la prise de conscience. Mais la première des choses, quand il grandit, il commence à prendre des décisions. Mais on remarquera qu'une personne qui grandit pense et prend des décisions
comme un adulte. Et la Bible nous fait comprendre dans le livre d'Hébreu, il a préféré la pauvreté que de rester dans la richesse d'Égypte. Parce que il avait grandi. Il était devenu en mesure d'observer, de prendre une décision basée sur une réflexion mûrie. C'est seulement quand on grandit, bien-aimé, qu'on commence à prendre des bonnes décisions. Quand la Bible dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Bien-aimé, quand on est un enfant, on agit comme un enfant. Aussi longtemps qu'on est chrétien. Bien-aimé, le problème avec beaucoup de chrétiens, je parle, ce message est adressé à ceux qui sont chrétiens. Ce message est adressé à ceux-là qui sont déjà enfants de Dieu, mais qui restent dans la même position. La Bible nous fait voir que Moïse quitte un certain âge et après qu'il ait eu un certain âge, Moïse, pour la première fois, se décide d'aller visiter ses frères. Il ne regarde plus, au fait, le luxe. Il ne regarde plus le matériel. Bien aimé, beaucoup, moi je me dis toujours, quand on est chrétien, quand quelqu'un est enfant de Dieu, et que cette personne n'est que attaché au matériel, à la renommée, à tout ça, ça veut dire il est encore comme Moïse quand il était jeune. Parce que c'est quand un homme a grandi qu'il comprend la valeur de la vie, la valeur de l'homme, la valeur de Dieu. Un enfant n'a pas connaissance de toutes ces choses. Un enfant s'attache à ce qui est matériel. Mais celui qui a grandi s'attache à ce qui est important. Et dans ce message, nous voulons interpeller les enfants de Dieu pour que nous puissions grandir. Moïse est devenu grand. La première des choses, il refusa d'être appelé enfant. Il refusa. Mais quand tu commences à connaître Dieu, Dieu attend de toi que tu commences à refuser certaines compromissions. Quelqu'un arrive au point de refuser le matériel, le luxe ou la corruption ou la compromission seulement si cette personne a grandi. Ça veut dire que la personne connaît la vraie valeur des choses. La personne peut prendre des décisions. C'est parce que c'est une personne qui a grandi. Quand tu auras grandi, quand tu seras devenu plus sage, Pierre, paie mes brebis. Mon bien-aimé, le problème avec beaucoup de milieux chrétiens, des enfants de Dieu, nous tous, le problème c'est que beaucoup ne sont pas encore prêts à faire un effort pour grandir. Et dans la nature, tout ce que Dieu a créé, pratiquement tout ce que Dieu a créé, grandit ou est appelé à croître, à grandir, à faire un pas vers une autre étape. Un arbre commence petit pour devenir un grand arbre. Un animal, toute chose, pratiquement toute chose, doit faire un mouvement. Ça veut dire de croissance. Dans le livre de Luc, chapitre 2, 52, la Bible nous révèle, j'aimerais lire ce verset, et là, en fait, on est en train de nous parler de Jésus-Christ. Et ce qui est important, parce que nous et vous qui me suivez, nous sommes enfants de Dieu, et nous savons que Jésus était Dieu sur cette terre. Et regardez ce qui se passe, c'est ce que la Bible dit de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus. Je disais que c'est dans le livre de Luc, chapitre 2. Je lirai le verset 52. La Bible dit ceci de Jésus. Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. Jésus qui est venu sur la terre grandissait. Il ne pouvait pas devenir le Messie en étant enfant.
Il ne pouvait pas prendre la, faire un travail, le travail pour lequel Dieu l'avait appelé en étant enfant. Mais Jésus devait grandir. Bien-aimé, Dieu attend de nous tous des progrès. Dieu attend de ta vie des progrès. Qu'il y ait des progrès. Et ces progrès-là ne doivent pas être seulement dans une section ou département de ta vie. La Bible nous dit, Jésus grandissait en sagesse. Ça veut dire, mentalement, il y avait une plus grande connaissance. Jésus, les décisions d'un enfant, de l'âge enfant, change quand on devient grand. Il grandissait en sagesse. Bien-aimés, nous devons, dans la vie chrétienne, non simplement grandir, mais nous devons grandir à tous égards, dans tous les départements de nos vies. Jésus grandissait pas seulement en taille. Parce qu'il y a des gens qui croient que grandir, c'est seulement dans la taille. Il y a des personnes qui croient que grandir dans la vie chrétienne, c'est seulement dans des noms, dans des titres. Dans des... Mais non, la Bible dit, il faut que nous aussi chrétiens grandissons en sagesse. Cette Bible est la parole de la sagesse. Dans le livre des Proverbes, on le dit. Petit enfant, c'est dans cette parole que tu acquiers la sagesse. Mais bien aimé, on grandit. Dans le travail, on grandit, peut-être dans le nom des titres, parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est la tendance, mais Dieu attend aussi que tu t'en... Mais tu grandisses dans la sagesse. Il y a beaucoup de conflits dans les milieux chrétiens, c'est parce que les gens ne veulent pas grandir dans la sagesse. Jésus grandissait en sagesse. Si tu grandis en sagesse, tu peux commencer à prendre de bonnes décisions. Si tu grandis en sagesse, tu peux savoir comment gérer des troubles. Mais grandissons dans tous les départements de la vie. La Bible dit, Jésus ne grandissait pas seulement en stature. Et là, on nous dit que Jésus grandissait aussi en taille physique. Physiquement, Jésus grandissait. La corpulence de Jésus grandissait. Bien-aimé, Dieu attend de nous que dans notre marche vers le Seigneur, que dans nos actions, que nous puissions aussi qu'il y ait croissance. Si tu travaillais seulement 2 jours pour le Seigneur, Dieu attend que ta façon de travailler croît. Bien-aimé, il est impossible de voir quelqu'un qui a connu le Seigneur, ne produire que le même résultat depuis qu'il était nouveau converti 20 ans après. Mais ce sont des personnes qui ont grandi seulement des noms. À moi, ça fait 20 ans. Vous, quand vous veniez dans la foi, nous étions déjà de ceci. Nous, quand dans notre époque, nous, quand ceci. Bien aimé, c'est bien que Dieu soit loué. Mais aujourd'hui, as-tu grandi? Est-ce que tu as grandi? Est-ce que ta façon de servir le Seigneur a grandi, a changé? Est-ce que ta façon de prier a changé? Il est malheureux de voir, vous voyez, quelqu'un qui est depuis longtemps dans le Seigneur. Et ce sont des gens comme ça qui veulent toujours courir des fuites. Ils créent des problèmes dans les églises parce qu'ils veulent une responsabilité. Ils créent des conflits. Moi, je suis super content. Cette église ne va pas bien. Les enfants de Dieu ne s'aiment pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui venait d'arriver il n'y a pas longtemps et c'est lui qui prend maintenant cette responsabilité. Moi, j'étais là parce que ça fait là. Moi, j'étais là depuis qu'on a commencé cette œuvre. Bien aimé, c'est bien tout ça. Mais est-ce que ton rendement, est-ce qu'il y a une croissance qui est visible? Est-ce qu'on peut dire, ce frère était ici et là, on voit que. En peu d'années, il a pris de la taille. Que le travail que tu accomplis prenne de la taille, prenne de la dimension. Ta façon de prier prenne la dimension. Ta façon de réfléchir prenne la dimension. Pour que tu sois comme Jésus, Jésus grandissait aussi physiquement dans ses actions. Et la Bible dit, Jésus grandissait aussi, oh j'aime ceci, il grandissait en grâce. Ou la Bible, il y a d'autres versions qui disent en faveur. Auprès de Dieu et des hommes. Vous savez, la Bible ne met pas l'église, ne glisse pas de mots par hasard. On pouvait s'arrêter qu'il grandissait en sagesse et en taille. Mais on nous dit aussi qu'il grandissait à quelque chose de très important. Jésus grandissait en grâce auprès des hommes et auprès de Dieu. Alléluia. J'aimerais commencer d'abord auprès des hommes.
Bien-aimé, tu avais une certaine façon de vivre. Tu étais un homme qui était connu de colérique, un homme qui, de fois, créait des désordres. Tu le savais. Aujourd'hui, tu as reçu Jésus-Christ. Ça fait beaucoup de temps. Ça fait peut-être un peu de temps. Tu as reçu Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas seulement dans la parole, mais on doit voir dans tes actes pour réaliser qu'il y a un changement, pour remarquer qu'il a quitté cette vie pour une autre vie. Jésus avait grandi en faveur auprès des hommes. Ça veut dire dans la vie sociale. Pourquoi il avait de la faveur auprès des hommes? Parce que Jésus savait vivre avec les gens. Il faut aussi améliorer. Toi, depuis que tu étais, avant de connaître le Seigneur, tu étais un trouble-fait. Tu as connu le Seigneur, tu es toujours trouble-fait. Tu connaissais le Seigneur, tu parlais beaucoup. Tu as connu le Seigneur, tu parles beaucoup. Il y a des chrétiens qui sont à moi. Moi, quand je commence à parler, moi, les gens me connaissent. Bien, mais non, la vieille nature doit tomber. Soit on a changé de nature ou on reste. Parce que la vie chrétienne, c'est un problème de nature. On rejette une vieille nature et on porte une nouvelle nature. Une nouvelle nature qui doit être à l'image de Jésus-Christ. Jésus, le monde attend de toi que tu sois le reflet de Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Bien-aimé, la faveur, ne sois pas bien seulement envers Dieu. Dieu attend que tu sois aussi bien avec les hommes. Grandis, améliore ta façon de vivre avec tes voisins, avec tes prochains. Fais un effort pour que les gens qui te connaissent se disent, eh bien, ce frère, on le connaissait, on le savait comme ça, mais vraiment, il y a un changement. Qu'il y ait des changements. La Bible dit que vos progrès soient vus, visibles aux yeux de tous. C'est ça la croissance, le progrès, l'amélioration dans notre façon de vivre avec les hommes, de vivre avec les bien-aimés. Que tu sois un homme apprécié de ton entourage à cause, parce que tu sais vivre avec les hommes. Et la Bible dit finalement, il grandissait aussi en faveur auprès de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est la meilleure de tout. On voit, les gens ne peuvent pas peut-être être appréciés ou tout ça, mais d'abord, avec Dieu, si. Avec Dieu, il y a un problème, ça veut dire qu'il est vraiment... Il y a un très grand problème. On doit grandir dans notre relation avec le Seigneur. Mon frère, c'est un problème. Si depuis que tu as connu le Seigneur, ta relation avec Dieu n'avance pas, c'est un problème. Il est impossible à un homme qui naît et resté le même. Il faut qu'il y ait une croissance. Comment est-ce possible que depuis que tu connais Dieu, tu es le même? Tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu n'as pas une plus grande connaissance. Tout ce que tu connais de Dieu, c'est ce que tu entends des gens. Est-ce que tu grandis, bien-aimé? Tu sais que tu as une mission. Tu sais que Dieu t'a appelé à une mission. Tu avais commencé, mais pourquoi tu t'es arrêté là? Pourquoi tu t'es arrêté dans ta relation avec Dieu? Dieu t'attend pour faire un grand travail avec toi. Oui, Dieu t'attend. Mais tu n'as plus grandi. Je ne sais pas pour quelle raison. Ta relation avec Dieu. Dieu attend de nous que nous puissions grandir. Dans notre façon même d'être en communion avec Dieu. Grandir dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie. Grandir dans tous les éléments de la vie. Dans le livre de 3 Jean, la Bible dit, chapitre 1, verset 2, il dit que j'aimerais que vous croissiez à tous égards, comme le fait votre âme. Vous voyez, cette croissance, Jean ne l'attend pas seulement dans un domaine. La croissance
Il attend de ses condisciples, de gens qui l'enseignent. Il dit, je veux que réellement qu'il y ait une croissance, que vous prospériez. Devenir prospère, améliorer. Pas seulement dans un domaine, mais que cela soit dans tous égards. Et c'est d'ici qu'on a tiré le message, le thème de ce message aujourd'hui, c'est de grandir à tous égards. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Il faut qu'il y ait équilibre. Que tu ne prospères pas seulement en âme, que tu ne prospères pas seulement dans ta relation avec Dieu, mais prospère aussi dans tous les autres, dans tous les autres domaines de la vie. Avance dans tous les... Quand je parle de prospérer, je ne parle pas seulement dans le sens financier, comme beaucoup peut-être peuvent le croire, mais je suis en train de parler, quand je parle prospère, je parle de croissance, d'évolution, de progrès. Qu'il y ait progrès, qu'il y ait croissance dans tous tes domaines, dans tous les aspects de ta vie. Et cette croissance, c'est toi qui en seras l'auteur. C'est toi qui vas travailler pour cela. Bien-aimé, cherche qu'il y ait une croissance même dans... Tu vois, quand tu connais le Seigneur, cherche une croissance dans ta santé. Il est Rapha, il est là, il est le vrai médecin. Il faut qu'il y ait une croissance, il faut qu'il y ait une amélioration. Qu'il faut qu'il y ait aussi une amélioration dans ton âme, dans ta relation avec Dieu. Et aussi cette relation dans tous les aspects que nous venons de citer tout à l'heure. Il faut qu'il y ait croissance. Dès lors que tu vois dans ta vie, bien-aimé, n'aime pas la stagnation. Cherche toujours à améliorer. Ça fait combien de temps que tu es resté à cette dimension? Ça fait peut-être 4 ans que tu avais atteint une dimension, une relation avec le Seigneur. Je parle de relation. Mais depuis lors, il n'y a plus rien. Et vous voyez les gens qui se contentent de gloire passée. Ah, moi, j'ai jeûné 25 fois. Moi, je faisais des trentaines. En Afrique, quand j'étais dans tel pays, je faisais... Bien-aimé, c'était bien. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as rajouté? Est-ce qu'il y a un progrès? Alléluia. Mon bien-aimé, Dieu attend de toi une croissance. Et la Bible même va, je l'avais souligné tout à l'heure, à parler de la croissance, comme compare cela à un enfant qui grandit. C'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, où l'apôtre nous fait comprendre que quand il était un enfant, il parlait comme un enfant. Vous voyez les langages? J'aimerais m'arrêter d'abord là. Il y a un langage d'un adulte qui est différent d'un langage d'un enfant. Tu verras quelqu'un qui connaît Dieu, qui a la relation avec Dieu, même quand les choses vont mal, son langage est différent. Vous connaissez l'histoire de cette veuve. L'enfant est mort. On lui demande, il dit, tout va bien. Oh, tout va bien. Parce que c'était quelqu'un qui parlait comme un. Il parlait comme un adulte. Elle parlait comme une personne mûre. Une personne approuvée. Une personne avec foi. Tout va bien. Ton langage te fera identifier. C'est par un langage qu'on comprendra. Mais des fois, des endroits, dans d'autres endroits, il vaut mieux te taire. Parce que, tu vois, si tu... Parce qu'il y a des langages, quand tu es au milieu des avocats, il y a un langage où c'est des avocats. Et quand tu n'es pas avocat, on va te détecter parce que tu ne parleras pas comme eux. Dans le milieu des docteurs, et cela va comme ça. Mais des médecins, je voulais dire. Maintenant, quand tu es quelqu'un qui n'est pas de ce domaine, on va reconnaître par rapport à ce que tu parles. Ta façon de parler doit changer. Ta façon de parler doit amener la paix. Ta façon de parler doit amener la réconciliation. Il est mal qu'on soit celui qui va créer des zizanies et des troubles. Ta façon de parler doit d'ailleurs consoler les non-croyants. Ta façon de parler doit amener les gens à la réconciliation. J'étais un enfant. C'est normal, je parlais comme un enfant. Mais toi qui t'es dit grand aujourd'hui, pourquoi tu parles toujours comme un enfant? Il dit, quand j'étais un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Je
réfléchissais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Bien-aimé, commence à réfléchir comme un adulte. Commence à penser comme un enfant. Un enfant reste un enfant dans sa façon de réfléchir. Un enfant, tu le tapes aujourd'hui, demain, il revient. Un enfant, tu peux l'appâter avec un bonbon, tu tiens le bonbon, tu es en train de reculer, l'enfant va toujours commencer à venir. Parce que pour l'enfant ne comprend pas que tu es en train... Quand on a réfléchir comme un enfant, c'est acquérir le discernement, la sagesse. Commence à réfléchir par l'esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à cela. Commençons à réfléchir comme des adultes. Commençons à raisonner comme un enfant, comme des adultes. Et Paul va dire, maintenant quand je suis devenu un homme, il a dit, j'ai mis à côté, j'ai laissé tomber ma vieille façon de raisonner comme un enfant. Je suis devenu comme un adulte. Grandir dans son état d'âme. Grandir dans ses attitudes. Grandir dans ses émotions. Mais Dieu attend qu'il y ait un progrès dans ta façon de réagir. Quand il y a un problème, comment tu réagis? Tu réagis par la foi ou tu réagis, tu paniques? Dieu attend que ta foi grandisse. Parce que tu grandis, ta foi aussi doit grandir. Parce que tu grandis, ta connaissance aussi doit grandir. Et quand tu grandis, la puissance de Dieu en toi aussi doit grandir. Nous devons grandir en puissance par le biais du Saint-Esprit. Et cela s'obtient par ta relation avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, je t'invite à chercher à grandir à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. Refuse d'être appelé enfant de la fille de Pharaon. Que l'Éternel te donne la force, la connaissance, la sagesse, pour que les gens qui te connaissent, quand ils te verront, qu'ils revoient une autre personne qui a grandi. Bien-aimé, appelez-nous si vous avez besoin de prières ou de conseils au numéro et au contact qui s'affiche là-dessus. Nous sommes le Corps du Savoir. Que l'Éternel Dieu de grâce vous bénisse et qu'il vous accorde grâce et faveur. Amen. Thank you.